Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'homme qui a les vidéos. Nous disons merci en pile avec le monde qui est abonné avec M. Chanel. Là. Et nous disons merci avec le monde qui va l'abonner. Nous sommes Antoine Atiana. Aujourd'hui, nous venons parler de l'infection que les trichomonas vaginalis qui a fait rage, ni qu'à filles, ni qu'à garçons. Trichomonas vaginalis sont une infection sexuellement transmissible. Ça veut dire que c'est partie de la maladie de l'infection ISTO. Ils sont infections au cas où on a fait sexe et au cas où on a mauvaise hygiène. La mauvaise hygiène, non? Ils sont infections qui ont un côté qui est humide en pile. Ils sont infections génito-urinaires. Et au cas où on lit, au cas où on infection dans la toilette. Ça veut dire toilette qui mal fait, yo, surtout à la campagne, c'est chute à couche à sous la toilette, là, ou bien. Qui mal fait, ou bien côté mon pipi pipi en parler, ou qu'après infection ça, parce que c'est une infection qui a un rapport avec mauvaise hygiène. Qui est-ce que tu es communal, vaginaliste? Chaque fille, les corées, qui c'est un écoulement vaginal. Écoulement vaginal ça, les cas blancs ou bien les cas verts. Et puis encore, les bains finissent en douleur, les la fait bagaille, que les disparaissent. Ces douleurs, au niveau des rapports sexuels, les filles en fait bagaille, les sentent, la fait mal. Ça veut dire, c'est disparaissent. Les filles ont toujours senti douleur, ça, les la fait bagaille avec mari ou bien ménage. Ça, c'est toujours du commun instant qui fait ça. Quand les garçons sont asymptomatiques à 90%, ça veut dire que c'est difficile pour découvrir le virus quand les garçons. Mais quand même, les garçons sont levés matin, bonne heure, le matin, premier goût de pipi libère, là, la urine, premier goût de pipi libère, là, ils ont fait un test en folie et puis ils ont joué la donne. Mais il faut que c'est le premier petit goût de pipi que les garçons ont fait. Quand les filles ont fait prélèvement pour lui, il y a besoin de faire seulement parce qu'il y a 50% qui est asymptomatique. Quand les garçons ont les maladies sont plus sévères, quand les garçons ont les infections sont plus sévères, les bails ont 18, ça veut dire une difficulté pour les garçons en pipi. Les bails. Encore, les filles ont appris à changer de culotte sous lui, changement de linge. Les filles ont appris à changer de culotte sous lui. Qui l'autre fille ou pas tant qu'il l'autre n'importe côté. Pas tant qu'il l'autre côté qui gagne l'air, ça veut dire que le cas bien sèche. Parce qu'immédiatement, autant qu'il l'autre côté qui va faire chaud, infection facile pour multiplier la laine parce que l'infection ça arrive à côté qui fait fret en pile. Infection facile pour multiplier la laine. Immédiatement, qu'il l'autre était déjà infecté, il y a des microbes là-dedans, vous mettez l'autre dans le sou, eh bien, ou facile pour prendre l'infection ça. Et puis tout, notre toilette à la campagne, surtout à la campagne pour protéger. Parce que à la campagne, dans la ville d'où, depuis qu'on parle avec toilette, c'est facile. Depuis qu'on vient, on vient de finir chita sur la toilette dans le pipi, et puis on a quitté l'infection sous bouche pour ne pas qu'il fait frais, pas qu'il soleil pour sécher, c'est avec l'eau de service. Même on vient de chita tout, l'infection ça, il est facile pour prendre l'infection ça. Et puis tout, si ou pas mettre culotte avec fille pareille. Il te met maman, il te met soeur, il te met cousine qui vient dormir la car ou qui met culotte pour le mettre. Plutôt ou bali ou bout de pantalon pour le mettre, passer pour prendre culotte pour bali pour le mettre. Si culotte l'en est, il faut que bali ou dit tout prendre. Mais si culotte l'en pas, il faut mettre culotte déjà qui nous servit. Ou bien ou gâteau fait le cadeau culotte l'en est. Nous disons pas de mettre, nous faisons le cadeau, mais pas mettre culotte avec soeur, pas mettre culotte avec maman. Ça veut dire immédiatement que nous avons une infection, il faut transmettre les avec. Les cafés ont pris une infection sale. Ok? Nous pouvons bien entendre. Et puis, toilette, mesdames, nous supposons bien laver toilette. Les hommes qui font une toilette, ils font pipi, nous supposons bien laver avec Clorox, bien laver, bien propre, et puis quitter on les passer sous lui, et puis ou même laisser vous faire besoin qu'on besoin faire dans la toilette. Là. Nous entendons. Et puis, mesdames, ou pas laver vos bouts avec n'importe de l'eau qui va traiter. Vous lavez vos bouts avec de l'eau qui traite. Comprenez? L'eau qui traite, vous supposez laver vos bouts ensemble avec vous, pas laver vos bouts avec de l'eau qui va traiter. Ça veut dire la facile, tu vas faire choix servir avec l'hygiène, la facile pour prendre infection ça. Infection ça, il y a pile l'autre infection. Si vous prenez infection ça, vous ne pas traiter.
la mené ou avec une autre infection. L'autre infection ça, n'a pas avec au pied des ampoules. Les autres infections ça, qui ça vous a fait pour camper infection ça? Infection ça, qui ça vous a fait pour camper lui? Et qui ça vous a fait pour camper infection ça? Bon, ça vous a fait pour camper infection ça, c'est ou ka pran et 2 grammes métronidazol. Ou ka pran 2 grammes métronidazol et nan bouche, ça veut dire comprimé ou ka bre 2 grammes métronidazol. OK? Buccal 2 grammes métronidazol et par voie buccal ou oral, j'en ai dit là, ou ka pran. Après ça, ou pran li nan une dose qui unique. Ou pran li na dose unique. Même si dose unique là, ça veut dire on prend 2 grammes dans une dose unique une seule fois. OK? Unique, une seule fois. OK? En cas de résistant avec métronidazole là, ou ka prend timidazole parce que y a monde qui résistant. En cas de résistant, ou ka prend timidazole. Timidazole là, ou prend 4 comprimés. Tinidazol, une dose de 500 mg, pour prendre 4 comprimés de tinidazol. Unique toujours, dose unique, ça veut dire qu'on prend une seule fois, on prend 4 comprimés. Un seul coup, on prend 4 comprimés de tinidazol, ça, en cas de résistant, parce qu'on ne prend pas de tinidazol, on ne fait pas un pour. Soit on ne fait pas un pour. Mais pour ne pas faire un pour, il faut suivre le digène. OK? Non seulement vous même vous prenez pour traiter tête, il faut traiter partenaire ou autre. Partenaire, ça veut dire les gens que vous faites ou entrer dans une relation sexuelle ensemble avec vous. Sous traitement, il faut que vous-même sous traitement. S'il pas sous traitement, vous ne pouvez pas faire traitement ou même. Parce que maintenant, vous avez une relation ensemble avec vous, vous avez toujours en dedans. OK? Et puis, tous les qui vous prenez un médicament, ça met une dazole là, il faut que vous ne pas boire alcool. Il faut que vous ne preniez pas l'alcool même pendant que vous faites le traitement. Et puis, après 48 heures, ça veut dire ni après, 3 jours, lorsque vous faites le traitement, il ne faut pas boire l'alcool. Et puis, il faut traiter ni vous, ni partenaire. Il faut ni partenaire, ni ménage, ou minimal, pour boire le médicament. Et puis, même tout, pour boire le médicament, tout, pour le traitement fait. Mais si vous prenez le partenaire, pas prendre, c'est laver mes souliers à terre. Traitement parfait. OK, maladie est toujours là. OK. Ni garçon ni fille, c'est un seul traitement yo gen pou yo fè. Et puis rédigène yo fòn marche ensemble avec. Pas mettre ki lòt sale, pas mettre ki lòt nou tan ni côté ki humide, faut que lòt nan pran bon soleil pour li bien sèche pour microbe blanc, pour nous connait le soleil ki le soleil chaud le tuer microbe. Avec tout tuer microbe blanc nan ki lòt la. OK, pas tant de kilos tout. Maintenant poussière ni votre côté pour lui pas ramasser le microbe. Pas mettre kilos avec monde ni à maman ni à soeur ni à cousine non. OK? Sous-vêtement unique. Sous-vêtement c'est au seul pour mettre sous-vêtement ou pas mettre sous-vêtement avec monde. OK? Pas mettre boxer marou pendant qu'elle est tout sale même qu'elle pas sale. OK? Pas mettre il faut toujours bien pas ou si mari est infecté ou à prendre. OK? Et pour prévention, qui ça nous a dit pour prévention maladie hein? Pour prévention, wap, toujours mettez préservatif pendant le traitement. Pendant le traitement, wap, toujours mettez préservatif. Jusqu'à ce que vous guérissez, wap, mettez préservatif. Si vous n'avez pas mettre préservatif, vous obligez de dire chérie, nous ne sommes pas capables de faire. Si vous n'avez pas mettre, vous obligez de dire chérie, nous ne sommes pas capables de faire. Parce qu'il faut mettre le préservatif pendant la période de guérison. OK? Et puis, mettre le dazole là, il faut indiquer quand une fille qui est enceinte. Première trimestre de grossesse. Dans le premier trimestre de grossesse, quand une fille qui est enceinte, il n'y a pas qu'à brûler le mettre le dazole là. OK? Il va aller à un médecin, il y a un gynécologue. Le gynécologue l'a prescrit, il y a un autre médicament qui est qu'à brûler pendant le premier trimestre de grossesse. Là. Et puis, quand une fille qui a allaité, ça veut dire qu'il y a une fille qui a baissé mon tété, le pape qui a baissé mon tété, pendant la première médicale, pendant la première médicale, et encore, après un jour, il finit pour un traitement, après 24 heures,
li ka bay ti moun nan retete. OK? Fòl tan apre 24 heures pou bay ti moun sa retete parce que fòl doz lan pa bon pou ti moun nan. OK? Encore règle du jeûne yo et puis respecter règle du jeûne yo, c'est très 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 important. Ou ka bay pou pou mais certes, mais si ou pa respecter règle du jeûne nan, maladie a toujours là. OK? Nous te contons ensemble avec vous. On va vous belle conseil ça. On qu'on a dit ou pas oublier abonner avec Chanel là. C'est toujours sur nos Antoine, Atiana. Ou même qui vous pouvez abonner, allez abonner ensemble avec nous pour jouer une belle vidéo la plage sous foyer et sous la santé. Et après belle conseil ça, on finit d'entendre à moi quoi. N'a dit en bas tout comme ça vaginaliste. On te contons ensemble avec nous. Bye bye pour l'autre occasion.